Salut à toutes et à tous, c'est Thomas Happ. Merci pour tous les retours que vous m'avez donné en commentaire, parce que j'étais pas sûr de ce format-là. Et j'ai pas voulu en refaire tout de suite parce que j'ai pas envie de donner l'impression que je sors énormément. Parce que je sors pas énormément et que même si j'aime beaucoup le vélo, en cette période de confinement, je me sens pas de particulièrement sortir alors que des gens sont obligés d'aller travailler. Voilà, donc j'ai laissé un peu de temps passer avant de pouvoir ressortir et me dire que j'en avais vraiment besoin en fait d'attendre vraiment d'en avoir besoin plutôt que de me dire ah bah je sors tous les jours etc. même si ce serait peut-être ok. Voilà, je me permets de me contraindre un peu plus et de temps en temps je m'autorise, mais il y a vachement plus de voitures qu'avant, que la semaine dernière, enfin qu'il y a deux semaines, une semaine et demie, enfin que la dernière fois quoi. Et aujourd'hui, j'ai emmené avec moi un autre appareil. Hop. Il y a beaucoup plus de trafic que les autres jours. J'ai emmené avec moi un autre appareil. C'est l'appareil avec lequel j'ai commencé la photographie argentique. C'est un appareil qui c'était l'appareil de mon père. Désolé, je bégaye un peu, c'est le matin. L'appareil de mon père, c'est l'Olympus OM10. C'est avec cet appareil que j'ai commencé l'argentique et c'est... c'est un réflexe et j'ai monté dessus parce que j'avais pas d'optique avec avant grand angle. Avant j'avais pas d'optique grand angle. J'espère que vous entendez quelque chose avec le vent. J'ai récupéré l'appareil avec un 35-105 f3.5 qui était le zoom de mon père, qui était une optique très correcte hein, avec lesquelles je fais encore des photos. Mais là, pour faire des photos à vélo le matin, je m'étais dit qu'un grand angle ce serait bien. Et il y a plusieurs années de ça, une dizaine d'années maintenant, j'étais allé chercher un grand angle qui se trouve pas être de la marque Olympus, c'est un Tamron. C'est un 28 mm et il ouvre à 2,5 je crois. Ouais, il ouvre à 2,5. Et quand on est comme ça à vélo, le 50 mm c'est un peu trop près. Ah, j'aime bien me dire que je peux faire des photos un peu en grand angle plutôt qu'au 50. Et puis alors le 35-105, je vous imagine même pas, le truc est trop gros à avoir autour de soi pour faire du vélo. Donc l'appareil dont je vous parle, c'est celui-là. Voilà, le petit qui est là. Il y a toute la gomme qui s'est barrée, c'est pour ça que j'ai mis du gaffeur rouge. Je pensais que ce serait cool, mais je suis pas sûr. Ça fait un peu cheap. Tourner à droite là, à gauche. Il y a vraiment beaucoup plus de voitures que la dernière fois. Et beaucoup plus de vent aussi, il fait moins bon. Hein. Ah, laissez passer la caisse. Le camion. Putain, il y a moins de voitures, mais c'est plus tant d'axes. Hein. C'est joli ça. Donc pour faire des photos à vélo, ça va être très simple. Je profite du fait que l'appareil soit en auto-expo. D'emblée, vous pouvez avoir une exposition manuelle si vous souhaitez, mais il faut rajouter un petit bitonio avec le OM10.
Ce qui est un peu embêtant et qui, après plus de 15 ans de vélo, plus de 15 ans de photo, je veux dire, qui après plus de 15 ans de photo, je l'ai toujours pas fait. Et l'avantage d'avoir un appareil qui calcule automatiquement l'exposition, bah, c'est qu'on a moins de réglages à faire, notamment quand on est sur la route à vélo. Enfin, qu'on est en mouvement plutôt que sur la route, hein, parce que il s'agit d'être prudent. Et ben, au moins, vous vous occupez pas de la vitesse, quoi. Et en ouverture, je vais essayer de pas trop ouvrir, mais là, comme c'est le matin, je vais pas trop avoir le choix. J'ai chargé dedans. Attendez pas, j'ai fait exprès de passer par là, attends, je me gare. Ouais, je me suis dit, à tous les coups, je vais croiser Evan. La classe, trop marrant. Ça va? Ouais. 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 Bon, ça va la balade? Oui, oui, ça va la balade, ça fait du bien. Bah ouais, ouais, ouais. Et donc tu dis 11 mai, c'est dans quoi? On est le 21, c'est dans 10 jours. Non, en plus 20 jours encore. Putain, encore 20 jours. Et on peut faire des vidéos, ça c'est sûr. Hein, on va ça... Mais c'est rigolo quoi, le confinement ça m'a donné l'impression. Bah alors ça ferait quoi si t'avais plus de travail et que t'avais vécu YouTube? Comment tu t'organises? En fait, c'est comme si on était passé plein temps YouTube, enfin, tu vois, genre, quand tu faisais un peu... Bon? Non. Et puis, à la prochaine? En live? Bah putain, là... Mais là, je sais pas, le truc, il s'est éteint. Voilà. Je sais pas pourquoi, parce que, du coup, il y aurait un temps. Parce que je viens d'avoir ça. Sinon, c'était pas stabilisé avant. Regarde. Bon, allez! Salut! Bisous, salut Marlin! C'est rigolo, ouais. Evan, c'est vraiment ma voisine. Elle habite juste à côté. Oh, punaise. Et... elle fait de la photo argentique depuis longtemps. On avait fait une vidéo ensemble. Et elle... elle a lancé sa chaîne il n'y a pas longtemps. Et... Vas-y. Et... beaucoup de EM hein, dans cette phrase. C'est un peu difficile, j'ai du mal à me concentrer sachant que je suis un peu sur la route et je suis un peu stressé du fait qu'il y ait plus de voitures qu'avant, même si là il y a une piste cyclable. Je vous disais que Evan a lancé sa chaîne YouTube où elle fait des vidéos sur l'argentique, mais d'une manière, c'est pas des tutos, etc. C'est une manière un peu poétique de parler de son rapport à l'argentique. Parce que ça représente pour elle, et je vous invite vraiment à aller les voir. Dans mon Olympus, j'ai chargé une pellicule 800, ce que j'étais en train de vous dire, une pellicule 800 que j'ai récupérée dans un appareil jetable. Vous pouvez retrouver la technique. Ça filme ça? Ouais, c'est bon. J'ai des doutes, hein. C'est la première fois que j'utilise le stabilisateur. Parce que dans les appareils photo jetables sont chargés des pellicules 800 ASA. Et comme j'ai pas de pellicule assez sensible en général pour charger dans cet appareil, parce que je fais beaucoup plus de photos d'intérieur que de dehors, vous voyez là, j'ai fait une photo depuis qu'on est sorti. Mais je me concentre. Ah, tiens, la lumière elle est belle là-bas. C'est au moment où je vous dis que j'ai fait qu'une photo, que j'en fais d'autres. Là, en termes de vitesse, je suis à
un 30e, donc c'est un peu lent par rapport à l'allure à laquelle moi je vais. Ok, donc je voulais vous parler de la pellicule que j'avais. Ça c'est bon, je vous ai parlé de l'appareil, ça c'est bon. J'ai croisé Evan, je m'y attendais pas. Donc, je vous ai parlé de la chaîne d'Evan, ça c'est bon. Et il y avait autre chose dont je voulais vous parler, c'était un film que j'ai vu, un film documentaire, qui est sur Netflix, qui s'appelle LA Originals. C'est un film docu, si vous aimez la photo, le tatouage. C'est un film documentaire sur Esteban Ortiz ou Ortin. Et Mr. Clown, je crois, je sais plus son nom, putain. Cartoon. Esteban Ortiz et Cartoon. C'est pas Ortiz. Auriel, non. Sur deux mecs donc qui étaient potes à LA et qui ont. L'un est tatoueur, l'autre est photographe. Et ils ont vraiment suivi la scène rap US, surtout de Californie. Et on suit vraiment comment Cartoon est devenu tatoueur. Et s'est mis à tatouer presque tous les rappeurs du milieu. Et Esteban était toujours là. Et en fait, il a des photos de moments où Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, etc. sont en train de se faire tatouer. C'est aussi ce mec là qui est parti en tournée avec Cypress Hill, etc. Je vais pas vous raconter le film, mais voilà, c'est comme ça qu'on suit ces mecs là qui sont en train de vivre leur meilleure vie concrètement. C'est vraiment un très bon film. Il est réalisé par le photographe lui-même parce qu'il s'est dit vas-y, moi j'ai les archives, je vais faire un film là-dessus, il n'y a personne qui en parle. Et ça m'a vraiment donné envie de faire un peu plus de photos. Comment dire, un peu reportage où je pourrais suivre, je sais pas, des artistes en tournée par exemple, parce que j'aime pas trop les photos posées studio, etc. J'aimerais bien voilà suivre des gens dans leur quotidien et pouvoir les prendre en photo. C'est vrai que ça donne vraiment envie de partir en tournée et d'être backstage en photo argentique, bien sûr, pas en numérique, ça m'intéresserait pas. Donc à réfléchir s'il y a des artistes musicaux qui sont intéressés pour avoir un photographe argentique. Ceci est un appel. Et je voulais, ça me rappelait aussi beaucoup le travail d'un autre gars que je suis et dont j'oublie souvent que j'aime bien le travail quand on me demande mes inspirations et tout. C'est Kalik Ala. Et pourquoi ça me rappelle son travail? Parce que Esteban Ortiz, leur studio, où Cartoon tatouait et où lui il faisait ses shootings, était dans le quartier de Skid Row où il y avait beaucoup de personnes qui vivaient à la rue et qui étaient défoncées au crack, enfin qui avaient des problèmes d'addiction réels aux drogues dures. Et Kalik Ala a fait une longue série. Moi c'est comme ça que j'ai connu son travail. Sur Tumblr à l'époque, où en fait il faisait des portraits de gens. Il sortait le soir et il traînait en bas des liquor stores. Donc t'avais des crackheads, t'avais des personnes alcoolisées, etc. Et lui il traînait avec ces gens-là qui étaient vraiment à la marge et il faisait leurs portraits en argentique sous des néons de nuit. Et c'est assez magnifique, donc je vous invite à aller voir le travail de Kalik Ala. C'est vraiment des travaux photographiques qui me bousculent et qui me déplacent beaucoup, donc c'est hyper,
hyper intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. J'espère que ce format vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des thèmes que vous aimeriez que j'aborde là-dedans, ici, dans Round the Block. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao! C'est dur aujourd'hui. Waouh.